sommes le 7 juin aujourd'hui. Je suis parti très tôt aujourd'hui parce que c'était une chambre de 40 lits pour deux toilettes et trois lavabos pour se laver. Donc je pensais avant les autres, comme ça j'ai eu le temps de faire ce que j'avais à faire. Mais si, ils font de la pêche à l'écrevisse. Donc chacun leur petit panier avec un nom dessus. Puis chacun relève son panier, c'est assez curieux. Ça c'est un pêcheur. Voilà. Il va faire très chaud aujourd'hui. Alors plus on avance vers Santiago, plus il y a du monde. Ouais, il est pas tard, il est 7h du matin. Tout le monde est déjà en route. C'est la course au gîte. Hein. Tout le monde veut arriver le premier pour avoir de la place. Alors c'est un petit peu un peu embêtant. On n'a plus le temps de profiter parce que c'est celui qui va arriver le premier. Moi d'ailleurs le premier aussi. Il faut bien demander dans les 100 derniers kilomètres. Là il me reste environ 450 km. Demain je vais faire la moitié du parcours en Espagne. Je vais couper en deux. Thank you.
charme.
Bonjour, nous sommes le 8 juin et je quitte Carlos Los Condes pour une étape difficile parce que là, il n'y a pas de point d'eau avant 17 km. Donc tout le monde est parti de bonne heure à l'esprit. Il fait déjà chaud. Donc, j'ai dormi dans un genre de monastère, je sais pas, c'était tenu par des petites sœurs, super gentilles. J'ai aimé. Et donc aujourd'hui, eh bien, je vais couper la distance en deux en ce qui concerne l'Espagne. Ça veut dire qu'à la moitié de l'étape, ben, voilà, je serai à la moitié. Donc ça veut dire, bon, je vais déjà être arrivé tout à l'heure. Wilson a retrouvé sa petite Wilsonnette. Et elle file. La vilaine. Ah oui, tu vas pas la voir. Tu n'arriveras pas à la rattraper, oui. Elle va trop vite. Bon, mais ça sera pas encore aujourd'hui qu'on fera un accouplement. Bon, tant pis. Au revoir ma petite Wilsonnette. Wilsonnette.
bonjour. Nous sommes toujours le 8 juin, n'est-ce pas? Et je vais bientôt arriver. Alors, là, San Nicolas del Real Camino. Allez. Donc, très grosse chaleur, il est 1h30. C'est toujours dans le désert, mais c'est vraiment cuit. Hein. Tout est brûlé, tous les. Nuages dans le fond quand même. Donc c'est un tout petit village. J'espère trouver une albergue, sinon je vais prendre un petit hôtel. Parce que ça fait trois semaines que je dors dans des dortoirs de 40 personnes. Et puis ouais, Wilson est toujours là. Puis donc trois toilettes. Pour 40 personnes, deux douches. Tout le monde se lève à 4h du matin pour partir. Enfin, c'est un peu la folie, quoi. Trop de monde. Donc, si je peux me trouver une petite chambre d'hôtel pour cette nuit, pour mon vin, ça sera bien. Sinon, bah, tout va bien. J'ai passé la moitié du chemin en Espagne. C'est pas un arrivé là, franchement. Et plus ça avance, plus j'ai envie de continuer. C'est fantastique, même avec la chaleur. Pourtant, il fait chaud, il fait au moins 38-40 degrés. Mais c'est super, je me sens super bien. Donc, je dois avoir perdu un peu de kilos, je pense. Je sens sur moi. Mais en principe, je devrais arriver vers le 26 juin. Et il n'y a pas si longtemps que ça, au mois de septembre, j'étais en train seulement de faire des projets et j'avais rien pour me faire le chemin. Je veux dire que je vais l'avoir fini. C'est fantastique. De toute façon, je ne saurais pas décrire ce que je. C'est impossible. Il faut le vivre, il faut le. C'est quelque chose de fantastique hier. J'ai fait un truc incroyable. J'étais à la messe. Et à la fin, il y avait une bénédiction des pèlerins. Puis franchement, il y avait une sœur, elle était. Je ne peux pas décrire. Elle avait une bonté en elle, elle avait quelque chose. C'est incroyable. Donc voilà. C'était pas mal. Bon. Je pense que je vais bientôt arriver à mon petit village. Mais je dois y avoir trois fois rien. Bon allez, à bientôt sur le Camino. Là, ça c'est des maisons. C'est des maisons enterrées. Il est tellement chaud qu'ils vivent sous la terre. Et puis je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai que j'étais à la messe, mais. C'est pas pour autant que je suis croyant. C'était juste pour voir un petit peu comment c'était les messes espagnoles. En fait, j'étais curieux à voir. Il y avait mouvement, certes. Mais de toute façon, si mon Dieu il existerait vraiment, il sait que je suis toujours là, que je pourrais je compter sur moi. Mais pour l'instant, quand même, il ne m'a toujours rien. Donc voilà, j'arrive à mon petit. J'espère trouver une albergue en espagnol. Ça paraît pas avoir bien grand.
peu d'eau pour se désaltérer. Il n'y a pas beaucoup de monde. En fait, j'ai pris une variante. Et puis, du coup, je suis un peu à l'écart par rapport aux autres. Mais c'est pas plus mal, de temps en temps. Je vais me poser là, puis je vais manger un peu. Voilà, à tout à l'heure. Attends, changer la bouteille de vin, ça fait. Oui, moi, surtout pour la vidéo, au mieux. Donc, quand je vais montrer. Alors, Francis. Et de la laine. Ça va. Lemon mousse. Francis. His name. My name is Francis. Francis. Just a name. Primero, first, katakana, ne? Katakana. Francis. Yes. Arroz aquí. Arroz. Lemon est ici. Francis. Francis. Le nom de castellano, Francisco. Francisco. C'est même italien. Ok, sans que vous remettez. Voilà. Modas de escribir en japonés. Esto es hiragana. Después, katagana. Y el tercero es kanji. Próximo. Mais la forme difficile, hein? La pellicule de film. Espada. Escribir espada. Sí. Que se puede escribir de muchas formas.